Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur les box gastronomie, mais pour une fois je ne vais pas vous présenter une kitchen trotter mais une boîte différente. En fait j'ai souhaité découvrir une nouvelle box, donc il s'agit de la Gula Box. Gula Box, en fait, c'est une box qui contient plusieurs encas, petits snacks sains à grignoter lorsque vous avez un petit creux. Je sais que moi, personnellement, j'aime beaucoup grignoter quelques amandes au bureau vers 4-5 heures quand j'ai un petit creux, ou le matin vers 10-11 heures. Et en fait, j'avais envie de varier un peu et je suis tombée sur ce nouveau concept et donc j'ai souhaité découvrir. Donc, j'ai commandé le coffret découverte sur le site gula.fr. Et en fait les snacks sont composés de noix, graines, fruits séchés, donc des mélanges vraiment variés. J'ai découvert des fruits séchés que je ne connaissais pas. C'est vrai que moi j'ai pas mal de sachets de noix, diverses noix, graines et fruits séchés dans mes placards que j'ai acheté en magasin bio. Mais là j'ai découvert de nouvelles choses, donc pour l'instant j'ai testé un seul petit encas qui était composé de principalement de cacahuètes et diverses épices. Donc dans le coffret de découverte, en fait, vous avez 12 encas. Donc c'est toujours envoyé dans un distributeur comme ceci. Vous pouvez sortir vos encas. Donc là, par exemple, je vais sortir celui qui vient en premier. Donc il ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est dans un petit sachet plastique recouvert d'un film protégé pour la conservation. Le coffret de découverte est à 22,90€ et vous avez 12 encas. Par contre je me suis aperçue par la suite que vous pouviez prendre l'abonnement sans engagement et c'est 14,90€ le premier mois, et vous avez 16 encas. Donc du coup j'aurais dû prendre ça plutôt que le coffret découverte qui est plus cher, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc avec ceci vous avez un petit livret qui vous explique le contenu de vos encas. Donc par exemple celui-ci, il s'appelle mille et une graines et il contient des graines de tournesol, des graines de lin, des graines de courge et des cranberries, pardon, je vais y arriver. Toutes de taille et couleurs différentes, ces graines sont pleines d'acide folique qui est utilisé dans les traitements pour la dépression afin de remonter le moral. Prenez votre bonne humeur et multipliez par 1000. Donc ça c'est un exemple. Vous avez également des énormes figues séchées. Et je viens de découvrir qu'en fait derrière vous aviez la composition et les valeurs énergétiques. Donc par exemple pour les mille et une graines, donc ça contient 40 grammes et 147 calories. C'est super ça. Là pour les figues c'est 100 calories et 40 grammes. À chaque fois, donc c'est des petits encas de 40 grammes. Vous avez des noix avec des raisins enrobés de chocolat et des groseilles séchées, 96 grammes. Celui-ci j'ai trouvé très original et j'ai hâte de le tester. En fait il est composé de kiwi séché, d'ananas séché et de kaki séché pour 117 calories. Donc vous voyez c'est vraiment très peu calorique et en plus vous avez plein de bons nutriments à l'intérieur. Ce sont en général des encas coupe fin, donc c'est vraiment mieux que de prendre un cookie, un muffin, une barre chocolatée, etc. C'est en général plus riche en nutriments. Là ici par exemple vous avez noix de macadamia, baie de goji, raisin séché, cranberry. Pour 179 calories, il est un peu plus calorique celui-ci. Et en fait là, celui-ci typiquement c'est un mélange que je pourrais faire moi-même à la maison puisque j'ai tout ce qu'il me faut. Donc en fait ce qui est sympa c'est que ça me donne mes idées pour me faire mes propres mélanges pour amener au travail. Donc c'est probablement ce que je vais faire une fois que j'aurai testé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si je me réabonnerai par la suite, là pour l'instant j'ai testé qu'un seul encas, donc on va voir une fois que j'aurai fini la box. Mais je pense que je vais me faire moi-même mes petits mélanges et peut-être que je commanderai de temps en temps. Sachant que vous avez également une épicerie disponible en ligne sur le site pour commander à l'unité certains des encas que vous avez reçus ou enfin plutôt qui les composent en tout cas. Donc voilà en gros pour cette nouvelle box. Donc je suis vraiment ravie de ce nouveau concept puisque c'est quelque chose qui n'existait pas encore. Et voilà, enfin moi j'aime bien grignoter des choses qui sont plus saines pour mon corps et qui ne vont pas forcément grossir, et je trouve vraiment le concept sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, est-ce que vous aimez grignoter lorsque vous avez un petit creux. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur les recettes de Mélanie.